Appui. Est-ce qu'en rasant Limoges, on approche le tranchant du milieu? Appui. Étire. Lâche. Clique. Un élargissement de la fenêtre en surbrillance. Écume. Houle. Île. Quand tout se décolle dans une seule exécution. Appui. Est-ce une déformation ondulatoire qui traduit les humeurs de la technique de prise de vue? Appui. Est-ce un mouvement de pente, une rupture de charge, une cohésion instable, une friction interne sans support? Appui. Étire. Lâche. Clique. Appui. Est-ce un frôlement des idées qui frotte l'alléchant appontage? Ou est-ce un alléchant appontage qui effleure le soulèvement du milieu? Ou est-ce un soulèvement du milieu qui éloigne le mouvement de balancement? Ou est-ce un mouvement de balancement qui pousse vers le mal de mer? Ou est-ce un scandaleux mirage qui marche vers le brouillard sec? Ou est-ce un brouillard sec qui fixe le glissement de terrain? Ou est-ce un glissement sec qui déborde la mise à plat? Appui. Étire. Lâche. Clique. Ou est-ce un décollement d'une couche de contrecollé par appétit accru? Est-il nécessaire d'avoir une jambe plus courte que l'autre pour y voir plus clair? Appui. Étire. Lâche. Clique. Appui. Est-ce un déversement accidentel de milieu mal ajusté? Ou est-ce une toile mal tendue sur un châssis trop petit? Ou est-ce un vertige océanique opérant à vitesse œil-écran? Ou est-ce une phrase déséquilibrée par le poids des mots isolés? Ou est-ce un point de suspension dans le roulis d'une randonnée photosphérique? Ou est-ce un cône d'aspiration pour nageurs faisant la planche depuis le bord de l'impression? Ou est-ce un échauffement des milieux qui dilate les flots par partie? Appui. 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 Ou est-ce un contre-coup d'une immersion prolongée, un décollement? Est-il nécessaire d'avoir une jambe plus courte que l'autre pour y voir plus clair? Où est-ce un accent du pose à effet? Où est-ce une courbure du maintenant? Où est-ce une houleuse captation? Où est-ce un panorama d'un ourlet à queue? Où est-ce une perspective d'approche? Où est-ce un grand écart
façonnée dans le fixe brouillard. Ou est-ce une localisation, un crispement de l'écran, une ligne traînant, coupant la houle, un virtuel à pic, au plus profond, une papillote plombée, jusqu'à se taper la tête sur la mosaïque, une suggestion pour tergiverser sur l'authenticité de l'image, une faute d'humeur marquée en pointillé, un croisement de l'écart, des mauvaises dans la rupture du lointain, une propagation interrompue, impossible d'une part,